Bonjour, bonjour tout le monde, ici Sophie et aujourd'hui j'ai enfin décidé de vous filmer une vidéo nettoyage de la cuisine. En fait, j'ai déjà fait le micro-ondes, j'ai fait le four, la hotte à fond, j'ai fait le frigo tout ce week-end parce que c'est le nettoyage du printemps. Et puis je me suis dit, mais en fait, ça les intéresse peut-être de savoir comment nettoyer la cuisine. Donc évidemment, on va pas refaire tout ça, mais on va faire les placards. Et en même temps, j'en profite pour filmer la partie tri de la cuisine, qui fait partie de ma formation qui est sur le minimalisme et sur comment retrouver l'essentiel. Et on passe évidemment par la case désencombrement du matériel. Parce que oui, j'ai récupéré beaucoup de choses, surtout dans la cuisine, lors du décès de ma maman. Et donc voilà, c'est le moment de trier. Maintenant que j'ai quelques mois de recul, je sais ce qu'on utilise, ce qu'on n'utilise pas. Mais voilà, ça vous ne verrez pas. Si vous voulez voir tout ça, ce sera dans la formation. Sur ce, allons-y. Donc, une fois que vous avez tout enlevé, moi je vous conseille d'avoir votre aspirateur à portée de main et une petite bassine d'eau avec un nettoyant multi-usage et votre éponge ou votre lingette, mais utilisez la lingette et évidemment de quoi essuyer. Et voilà, on va commencer par tout simplement aspirer et enlever aussi. On avait mis ceci pour éviter que tout bouge. Donc n'hésitez pas à bien secouer. Et puis on verra s'il faut les nettoyer un à un. En général, oui, il faudra les nettoyer. Bref, on va commencer par aspirer.
Bon, voilà, je me suis débarrassée de ces choses. La majorité, ça vient de chez ma mère. Ça, c'est ça vient de chez ma mère. Celui-là, il est cassé, du coup, il est bien dangereux à utiliser. Et ceux-là, c'est le rare à nettoyer. Et de toute façon, on n'utilise plus, donc on va les... Désolée, on va les jeter. Ça fait 4 ans qu'on les utilisait. Donc ça va, hein, on aura quand même bien fait des notre BA écologique, je sais pas comment dire. Mais voilà. Tout ça, ça part. Maintenant, on va s'occuper de tout ce qui est casserole. Et après, ça sera déjà fini. Non, il reste 2 placards. Bon, alors là, ça va aller assez vite. Je sais que c'est propre. Et il y a juste les accessoires de rôtissoire plus 2 accessoires de frigo. 2 mugs, un champagne qu'on ne boit jamais. 2 trucs de glaçons. Comment ça s'appelle ça? Un batteur à eux. Un appareil pour faire des gaufres et des croque-monsieur. Et ça, c'est un nouveau bouteille qui devrait aller dans le frigo. Voilà. Et ensuite, il y a un gadget pour faire des œufs durs que j'ai déjà utilisé quelques fois. Je vais le récupérer en février. Mon batteur girafe pour les soupes que j'utilise toutes les semaines. Et j'ai ceci, c'est pour préparer le gâteau d'anniversaire de ma fille qui est en juin. Donc voilà, là il n'y a rien à enlever. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on va faire celle du dessous. Donc, en gros, ça, donc c'est quand les enfants veulent jouer à la cuisine, ils jouent ici. Ça, ce sont des faux aliments. Par contre, il y a des choses que nous, on utilise, comme les sauveuses à salade, un grand plateau, et tous les saladiers. Donc, les saladiers, on a en commun, ils peuvent jouer avec, et nous, on peut les utiliser aussi pour faire des salades, évidemment.
Et voilà. Donc voilà, j'ai fini de nettoyer la cuisine. J'ai oublié de vous montrer sous l'évier et l'épicier, mais c'est fait, hein. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. À vous de vous y mettre, de profiter peut-être du week-end et de faire votre cuisine à fond. Si vous avez besoin d'astuces pour nettoyer votre hotte et qu'elle soit toute clean, je peux vous les donner en commentaire. N'hésitez pas à me le dire. Et pareil pour le four. Le four, est-ce que je vous ai filmé une vidéo? Sinon, je vous en filmerai une un jour. Pas tout de suite, parce que maintenant, il est vraiment très, 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 très propre. Bon, allez, du coup, je vous souhaite un bon nettoyage de printemps et je vous dis à très bientôt. Ciao!